passé en mise en bouche, vous avez lait de poule parfumé et vous avez des petites fleurs de ciboulette par-dessus. Donc voilà, bonne dégustation. Merci. Pour commencer, vous avez des artichauts qui sont confits dans une huile. Ensuite, des fleurs de choux, juste là. Un peu de pamplemousse, des céleri branches glacées avec un petit peu d'origan et zeste de citron jaune. Des couteaux qui sont cuits d'abord à l'eau et après passés au four avec un beurre, ail et gingembre. Et au dernier moment, on a mis du verre d'oignon. Une petite vinaigrette sur le côté avec le jus des artichauts. Alors, pour continuer, vous avez du Saint-Pierre, juste poêlé, avec un petit peu de chou-fleur au vinaigre. Au-dessus du chou-fleur, vous avez des fines lamelles de citron jaune du Mexique confit au sel, quelques fleurs de bourrache et des fleurs de sureau. Ensuite, vous avez sur le côté en condiment une poire de crapaud au vinaigre, de cidre, et c'est une recette de Guillaume. Et à côté du poisson, vous avez une huile à la badiane. Cet après-midi, j'ai fait dire que je vais me mettre le matin. Et vous en veux pas trop? Non, non. Qu'est-ce que c'est comme volaille? C'est de la pintade. Hein. Ah, c'est de la pintade qui est élevée pas très loin d'ici, à Orville. Qui n'est pas trop travaillé sur la pintade. Comment? C'est une volaille qui n'est pas tellement travaillée. La non, c'est vrai. Il y a plein de choses comme ça. Le lapin, c'est pareil, ouais, on ne le trouve jamais. 3 ou 2? 2? Non, rien du tout. Ça marche chez toi? Alors, pour continuer, vous avez de la pintade fermière d'Arville. Là, vous avez des petites carottes juste cuites à l'eau et après passées à la poêle. Au dernier moment, on a mis des zestes de citron jaune. Vous avez de la moutarde rouge. Sur le côté en condiment, vous avez de l'ail nouveau au gnocchi, la sauce vietnamienne. Et après, un jus de viande bien réduit. Alors, messieurs, dames, alors ici pour commencer le dessert, vous avez un petit granité berce pamplemousse. Est-ce que vous savez ce que c'est? La berce. Hop, bah, je peux vous donner une feuille et vous croquez dedans. Et vous allez voir, c'est un petit goût.
ne l'avais pas passé sur la table. Alors, pour le dessert, vous avez de l'ananas rôti avec un petit peu d'épices au dernier moment et zeste de citron vert, une sauce au pruneau, une tarte chocolat noir tannaisie. Et sur le côté en condiment, vous avez des kumquats avec des feuilles de menthe. Et voici un sorbet au lait. C'est de la poire de calot séchée. Encore une autre variété endémique à la région.